Je crois que je ferais mieux d'agir seul. Après tout, il serait fort regrettable d'attirer l'attention. Une approche judicieuse. Bonne chance, mon garçon. Oh, monsieur Fry, si vous en avez un jour le loisir, n'hésitez pas à me rendre visite. Je trouvais ce docteur. Comme vous venez de le voir, l'application d'une pression trop intense entraîne parfois des résultats imprévus. À mon grand regret, je crois que j'ai détruit l'organe. Faites porter un cadavre. Tout de suite, docteur Yatson. Je me fiche de votre morale. Et je me fiche encore plus de ces maudits patients. Allez, donnez-moi les clés. Oh, mais que faites-vous? Ça ne se voit pas. Je vous vire. Allez, du vent. Comment m'y prendre? Qu'est-ce qu'il y a? Jeune homme, faites quelque chose. Je dois voir Miss Nightingale au plus vite. L'une de ces brutes m'a volé ma clé, et personne ne vient par ici. On a volé votre clé. Ne bougez pas. Je peux peut-être faire quelque chose. Oh, merci. Merci mille fois, monsieur. Eh bien, vous saurez où me trouver, monsieur. Faites vite. J'attendrai ici. Signaler à Miss Nightingale. Je ne le vois nulle part. Tant pis. En attendant, je vais reprendre mon exposé sur la phrénologie.
qu'elle était foutue à la porte. Pauvre idiot, ça va nous valoir des ennuis. Je fais bien entendu référence à sa propension à provoquer et à agresser des pulsions répréhensibles que l'administration de Sirocalmant a étouffées. Malgré les réactions violentes du spécimen au traitement, le Sirocalmant a anesthésié ses sens et il est mort sans ressentir de souffrance. Ce dont vous venez d'être témoin n'est rien de...
Le voilà, docteur. Nous allons bientôt reprendre notre expérience. Dans quelques instants, nous comparerons les cerveaux de ces deux spécimens. Et comme tous deux témoignaient d'un fort penchant pour la violence, nous devrions trouver des protrusions similaires sur des portions spécifiques de leur cerveau. Voilà venir la fin. Mais seul le commencement occupe mon esprit. Un avenir radieux, nourri du sang des visionnaires. Tout ce que je vois, c'est le sang d'un cerveau. Tu crois vraiment que le sang d'un vieillard arrêtera le grand architecte du genre humain? Crawford Starrick forge le dessein glorieux de l'humanité. Ce qu'il forge, je le briserai. Tu n'es qu'un enfant. Un enfant qui croit pouvoir chasser les malheurs du monde d'un coup de lame. As-tu déjà réfléchi aux conséquences de tes actes, Jacob Fry? Ou ton père ne t'a-t-il rien enseigné? Prends soin de vos arrières.